Presque trois mois après le décès de Johnny Hallyday, le sujet de son héritage divise la France après que le rocker a décidé, dans son testament, de tout laisser à Laetitia Hallyday au détriment de David Hallyday et Laura Smet, les enfants du légendaire artiste. Ainsi, après Lynn Renault, Eddie Mitchell ou encore Jean Reno, c'est au tour d'une autre célèbre figure du monde de l'art de prendre position, puisque Brigitte Bardot s'est confiée sur le sujet au micro d'Europe 1 ce samedi 24 février. Ça me dégoûte. Moi, je serai Laetitia, je remettrai les pendules à l'heure. Je redonnerai à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir. A d'abord assuré l'ancienne actrice, avant de s'attaquer à la veuve de Johnny. Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laetitia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu, a encore estimé Brigitte Bardot, qui semble ces derniers temps de plus en plus encline à donner ouvertement son avis. En témoignent notamment ses dernières prises de parole très remarquées à l'encontre de Nicolas Hulot ou encore d'Emmanuel Macron.